La campagne électorale se poursuit. Nathalie Arthaud dans la Marne pour soutenir les candidats lutte ouvrière au départemental. Politique à présent avec la venue de Nathalie Arthaud en Champagne-Ardenne au cabaret de Tinqueux dans la Marne. La porte-parole de lutte ouvrière vient apporter son soutien aux candidats de son parti d'extrême gauche pour les départementales. Une prise de parole devant une soixantaine de militants. Elle a notamment évoqué les conditions difficiles des travailleurs pendant la crise sanitaire. Écoutez. Nous appelons les travailleuses, les travailleurs à dire nos besoins de travailleurs, nos intérêts de travailleurs d'abord, c'est-à-dire les emplois d'abord, les salaires d'abord, les conditions de vie et de travail d'abord. Voilà. Et on espère que beaucoup se saisiront de notre bulletin de vote pour dire leur écœurement aussi, de voir cette société où finalement des grands trusts pharmaceutiques peuvent engranger des milliards avec des vaccins, ce qui devrait être un bien public, un bien commun et collectif.